Des exercices comme le travail vocal, la diction, l'interprétation ou encore l'improvisation sont mis en pratique au fil des ateliers dispensés sur le parvis de l'Onde, théâtre centre d'art de Vélizy, Villa Coublet. C'est pas forcément pour en faire un métier, mais vous avez déjà une certaine maturité et une sensibilité aussi. Oui, c'est se construire. Les ateliers sont gratuits, sur inscription avec une limite de 9 personnes par atelier durant 1h30. Pas besoin d'expérience de jeu, il est possible de venir pour découvrir ce nouveau monde. J'avais déjà fait du théâtre quand j'étais petit, mais celui-là en improvisation, je préfère l'improvisation parce que j'aime bien imaginer à l'avance plutôt qu'apprendre un texte. Certains n'en sont qu'à leur premier tour d'essai, d'autres sont des adeptes de la comédie et la pratiquent régulièrement. Je suis venue parce que ma mère, elle dit que je fais beaucoup de théâtre. Enfin, pas que je fais en atelier, mais que dans la vraie vie, j'en fais beaucoup. Parce que moi, j'en fais naturellement. Quelques-uns sont déjà conquis par le théâtre et séduits par l'initiative, mais le confinement leur avait permis de prendre des libertés. Il est aujourd'hui difficile de revenir à la réalité. Je suis prête à revenir parce que c'est rigolo et y a des amis qui sont là. Par contre, j'aimerais pas revenir parce qu'on se lève à 10h. Enfin, à 9. L'atelier d'improvisation permet aux enfants de s'exprimer, mais aussi de s'écouter entre eux. Il permet de les canaliser ou de les libérer en jouant sur les différences de chacun. C'est entrer dans le monde de chacun. Mais des fois, tu dois faire comme ce qui te plaît. Donc, moi, par exemple, quand je criais, c'est parce qu'ils nous demandaient de crier. L'initiative a satisfait les organisateurs comme les enfants, notamment avec la nouveauté de jouer sur le parvis de Londres. Ils seront de retour dès l'été prochain. Les inscriptions se feront du mardi 1er septembre au samedi 26 septembre 2020.